Donc mon fils, tout le monde a été sauvagement agressé, piétiné, insulté par la police de Molenbeek-Saint-Jean. Ça fait 3 ans et 5 mois qu'on se bat contre une justice. Ça fait 3 ans et 5 mois que le traumatisme est là pour mon fils, où il n'arrive plus à avoir une vie celle qu'on avait dans le calme, dans la confiance. Notre combat se bat sur. Enfin, je me bats pour mon fils, mais en même temps, je me bats pour d'autres jeunes qui subissent encore pire. Mon fils trottinait pour se diriger vers la maison, pour aller chercher son sac de sport. Et ce sac de sport l'a amené au cachot. Il a été interpellé par 5 policiers où ils ont été mis au sol, piétinés. Et sans qu'on m'ait appelé, je ne l'ai su qu'à 19h15 que mon fils s'est fait arrêter parce que d'autres enfants, d'autres jeunes de Bekin l'ont vu mis en voiture. Et on ne m'a pas remis mon fils, on me l'a remis que 3h30 après. Dans un état pitoyable, dans saignant et déchirant le cœur. Voilà. On vient sur le fait de mon fils, Pil Mouad. Ça s'est passé il y a 3 ans et 5 mois. Le fait s'est déroulé entre Bekent et Oseguel. Je suis vraiment à la rue où il s'est fait tabasser par les 5 policiers. Où ils ont estimé que normalement mon fils s'est fait arrêter à Bekent et qu'il a dû courir 300 mètres alors qu'ils étaient à 5 et en voiture. Je trouve ça inadmissible. Ils ont estimé qu'il s'est rebellé. Un enfant qui mesurait 1m47 avec plus ou moins 47 kilos, pas plus haut que ça, alors que ces policiers, vous savez très bien, la VIA, ils sont tous des murs. Et ils se sont retrouvés 5 sur un enfant. On attend que justice soit faite. Qui se déroulera exactement le 13 juin. Pour qu'ils sachent ce qu'ils ont fait à un enfant. Ils ont l'air de s'en foutre, carrément, vu qu'ils sont toujours sur le terrain. Ça nous arrive de les croiser. Et j'espère que ces policiers seront punis, mais sévèrement punis. Ils sont couverts par l'État et sa mafia. Attention, la police est là. Plus de prévention, c'est répression à tout va. Attention, la police est là.